Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser une ferme à trident qui fonctionne sur la version de Minecraft Java 1.18. Pour ça, il va falloir que tu trouves un biome rivière et pour ça, il faut que tu appuies sur la touche F3 de ton ordinateur, ce qui va te montrer les biomes juste là où je te mets la flèche. Et en fait, il va falloir que tu te balades jusqu'à trouver un biome rivière. Ici, on voit qu'il y a une énorme rivière qui va être parfaite pour moi. Tu as besoin d'une rivière dans laquelle tu peux placer une ferme qui va faire 10 blocs par 10 blocs. Donc, il faut une rivière relativement large. Par exemple, celle-là ici, elle marche bien. Pour ce tuto, tu vas avoir besoin de tout ce qu'il y a dans ce coffre, à savoir 2 coffres, 2 stacks de blocs de verre, 6 stacks de dalles lisses. Tu peux prendre n'importe quel type de dalles, d'ailleurs, je te dis des lisses, mais n'importe quel type de dalles. 30 murets de pierre, 13 trappes en sapin, 2 stacks de blocs de construction temporaire que tu pourras retirer à la fin de ta construction, donc de la terre, c'est très bien. Si tu ne sais pas, les œufs de tortue, tu les récupères sur le sable, là où des tortues ont pondu des œufs. Et pour les récupérer, il te faut une pioche qui a l'enchantement touché de soi. Ensuite, il va te falloir environ un stack d'échafaudage, un stack et demi de portillons, portillons en chaîne ici, mais n'importe quel portillon, 2 seaux d'eau pour créer une source d'eau infinie. Il va te falloir 3 stacks et demi de blocs de construction. Ici, je prends du béton bleu clair parce que c'est une ferme à trident. Tu peux prendre de la pierre, de la cobblestone, du verre, tu peux prendre tout ce que tu veux. 4 torches et enfin 16 entonnoirs. Pour commencer, il va falloir qu'on marque au sol, sur la rivière même, la délimitation du biome pour qu'on s'assure d'avoir un espace de 10 par 10. Pour faire ça, on va faire comme ceci. Du coup, tu remets F3, tu t'assures que t'es la rivière, tu t'avances jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de rivière, voilà, forest. Et à partir de là, on va venir placer des blocs. Là, je suis sur la rivière, ok. Donc ce bloc, techniquement, il est sur la rivière. Et si je m'accroupis et que je regarde sur le côté du bloc, voilà, ça montre bien qu'ici, c'est la forêt. Donc c'est pas possible. Il faut pas mettre de bloc là. Par contre, là, tu vois rivière, paf, je place un bloc. Toujours la forêt sur le côté. Je continue d'avancer. Et tant que je suis sur la rivière, je continue d'avancer. Ok, j'en suis là et je vais juste vérifier que j'ai bien 10 blocs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc à partir de là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai délimité un peu l'espace ici de la rivière. De ce côté-là, de mes blocs, c'est de la forêt. De ce côté-là, c'est de la rivière. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à sélectionner un truc qui fait 10 blocs par 10 blocs. Donc, on va venir juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, et pareil pour la... Et voilà, du coup, tous les autres blocs de construction temporaire que j'ai posés pour l'instant pour délimiter le biome rivière, je peux les retirer. On va garder juste ce biome-là, qui fait un carré de 10 par 10 pour le reste de la construction. Du coup, ce carré, on va le refaire sortir d'un bloc supplémentaire comme ceci. On va revenir placer un bloc temporaire et par-dessus ce bloc temporaire, c'est là où on va commencer à placer nos vrais blocs. On va placer un bloc de verre et ici, on va venir faire une plateforme qui recouvre tout ce carré. Comme ceci, voilà. Et du coup, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir retirer ce bloc temporaire. Ici, on n'en a plus besoin. Maintenant, on peut retirer tous les autres blocs temporaires qu'on avait posés sur notre plateforme, ils ne servent plus à rien. Ensuite, tu vas venir prendre ton obsidiane et tu vas le placer tout le long de cette plateforme, juste là. Ensuite, on place un bloc temporaire ici, on vient continuer notre portail d'obsidiane juste de 3 de haut. À nouveau un bloc temporaire et on vient refermer le bloc d'obsidienne, le portail d'obsidienne comme ceci. Voilà, donc actuellement tu as une plateforme de verre qui fait 10 par 10 et tu as un énorme portail d'obsidienne qui est juste devant, qu'on allumera un petit peu plus tard. Ensuite, pour empêcher les spawns sur le portail d'obsidienne, on va venir placer des slabs, des dalles juste là. Comme ceci. Ensuite, on va venir prendre juste nos murs. Et nos murs, on va faire en sorte qu'ils entourent toute notre station de verre. Comme ceci. T'es pas obligé de placer un bloc au bout de ce mur. Ils sont pas obligés de tous se rejoindre. Tu peux faire juste comme ça, un bloc temporaire et refaire un mur. Ce qui fait qu'on a besoin que de 30 murs et pas de 32 murs. Je vais venir retirer mes 2 blocs temporaires. Et voilà. On a notre portail en obsidienne sur lesquels on a nos dalles. On a nos murs qui font le tour. Ce qui fait que nos drowns, quand ils vont tomber ici, ils pourront pas s'échapper. Et ils auront pas d'autre choix que d'aller éventuellement vers le portail. On va mettre aussi un œuf derrière ce portail pour les forcer à y aller, tu vas voir. On va prendre nos trappes et on va prendre nos œufs de tortue. Et on va pas oublier nos blocs de construction temporaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à peu près au milieu du portail. Vu qu'il fait 10 par 10, il y aura un côté où il y aura 5, un autre côté où il y aura 6. C'est pas très grave. Hop, on va placer notre trappe en sapin juste là qu'on va fermer. On va placer par-dessus un bloc temporaire, puis un deuxième bloc temporaire. Et ensuite, on va retirer ce premier bloc temporaire sur lequel on va replacer une autre trappe en sapin juste là, qu'on va refermer comme ça. Ensuite, tu vas venir prendre un de tes 2 œufs de tortue et tu vas placer ton œuf de tortue sur ce bloc-là. Les noyés, ils sont attirés par les œufs de tortue, ce qui fait que quand ils vont le voir derrière le portail, ils vont y aller, ça va les forcer à prendre le portail du Nether et on va les récupérer dans le portail du Nether. Une fois qu'on a finalisé cette étape, on va pouvoir venir allumer notre portail du Nether comme ceci. Et ensuite, on va prendre nos verres et on va revenir faire le tour de notre plateforme, mais à partir de la dalle qui est juste là.
Pareil, comme pour les murs, on n'a pas forcément besoin de mettre un bloc de verre dans les coins. Ça peut économiser 2-3 blocs de verre. Donc voilà, bloc temporaire, on remet les murs comme ça. Et on vient casser nos blocs temporaires. Ce qui fait qu'actuellement, on a une structure exactement comme ça. C'est là où ça va se complexifier un peu. On va venir dans l'inventaire, on va prendre nos portillons. Et ces portillons, il va falloir les placer partout ici, à commencer par là. Pour faire ça, tu t'accroupis et tu vises vers le portail qui est juste devant toi et ça va en placer un derrière. En fait, l'intérêt de ces blocs, c'est que tu peux passer au travers tout comme les mobs une fois qu'ils sont ouverts et ils vont empêcher l'eau de tomber jusqu'en bas. Par contre, les mobs vont pouvoir tomber jusqu'en bas. Ce qui nous fait notre stack ennemi portillon en chaîne et maintenant, il va falloir venir ouvrir tous ces portillons. Ça nous fait une structure un peu bizarre comme ça, mais en gros, tu vas comprendre l'intérêt. Une fois que je mettrai l'eau au-dessus, ça va faire que l'eau, elle s'arrête là au niveau des blocs de verre et tous les drowns, ils vont être obligés de tomber dans notre petit piège en bas. Et ensuite, ils vont être attirés par l'œuf de tortue, ils vont rentrer dans le portail du Nether. Et ce que ça va faire, c'est que ça va plus les compter comme présents dans l'overworld, qui est ce monde ici dans lequel on est, et ça va en refaire spawn d'autres. Le fait de les envoyer dans le Nether, en fait, ça permet d'avoir beaucoup de spawn au fur et à mesure qu'ils respawnent. Une fois que t'as fait ça, il va falloir qu'on monte. On va commencer à faire en sorte que la ferme, elle prenne de la hauteur. On va placer un bloc temporaire ici dans le coin. Et ce bloc temporaire, on va venir se placer dessus. Et on va monter qu'à la hauteur 139. Pour ça, t'appuies sur F3. Et tu vas voir que là, je suis à la hauteur 82, 83, 84. Voilà, tu montes jusqu'à la hauteur 139 comme ça. Il faut que tu t'assures par contre que ce soit ton bloc qui soit à la hauteur 139 et pas toi. À gauche, le signe à gauche, c'est moi qui suis à la hauteur 137. Alors que regarde à droite, targeted block, le bloc que je suis en train de regarder, il est à la hauteur 136. C'est ce bloc-là qu'il faut monter à la hauteur 139. Ce qui fait que nous, on est à la hauteur 140. Une fois que tu es arrivé là, on va marquer le coin de notre structure comme en bas. Donc avec des blocs temporaires toujours. Un ici et un là. Et ensuite, on va essayer de placer un bloc à la hauteur 138, juste en dessous. Ce qui fait qu'on va venir taper juste là pour en placer un en dessous là. Et ensuite, on va en remettre un là. Ce bloc-là, il coïncide, je vais te montrer. Ce bloc-là, en fait, il coïncide avec ce bloc-là. Il va falloir qu'on refasse notre plateforme de verre là-haut, sauf qu'on va la faire en terre. On va utiliser nos blocs temporaires parce que juste après, on va les retirer. Ça va juste nous permettre d'avoir une énorme colonne d'eau qui va de la hauteur 139 ici jusqu'à tout en bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que tu as ton carré, on va le remplir pour s'assurer qu'il soit entier, comme la plateforme d'en bas. Ceci, et une fois que tu as fait ça, on va venir entourer tout ça avec des blocs de construction. On va venir remplacer ces deux blocs ici, et voilà, on va commencer à faire notre tour de cette petite plateforme. Hop, et voilà. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser nos seaux d'eau. On en a deux, c'est pour faire une source d'eau infinie. Pour faire cette source d'eau infinie, on va refaire une petite plateforme sur le côté qui fait 3 de longueur par 5 de largeur. Ta source d'eau infinie, il faut que tu aies 3 blocs comme ça qui soient creusés dans le sol. Ici, j'ai fait juste une petite plateforme juste à côté pour l'avoir à portée de main. Et en fait, tu mets un seau d'eau à gauche, un seau d'eau à droite, et ça te fait une source d'eau infinie. Ici, au milieu, tu peux venir récupérer autant de seaux d'eau que tu veux, l'eau s'en ira jamais. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplir tout ce carré avec notre eau. D'où l'intérêt d'avoir la source d'eau infinie à proximité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, faire toute cette longueur là, et une fois qu'on a fait toute une longueur, on va faire la deuxième sur le côté, ce qui fait que normalement, ça va étendre tout du long. Et voilà! Une fois que tu as ta petite piscine de 1 de profondeur, on peut venir renflouer les blocs ici, on n'en a plus besoin, on va pouvoir venir tous les casser. La suite, je pense que tu l'as compris, on va venir retirer tous nos blocs de terre et ça va faire que l'eau, elle va descendre jusqu'à notre ferme en bas. Et si tu l'as bien fait, normalement, elle s'aligne exactement avec le carré d'en bas et tu n'auras pas d'eau qui va s'en aller sur les côtés. Pareil, une fois que tu as fait ça, on va pouvoir venir casser, hop, tous nos blocs temporaires qui sont sur le côté, on pourra utiliser la colonne d'eau pour remonter. Et voilà, du coup on voit qu'en bas notre source d'eau elle a été parfaitement placée, on a une espèce d'énorme colonne qui remonte, il n'y a rien qui va sur les côtés et en soi si on se met dedans et qu'on se laisse descendre comme les drowns, tu vas voir qu'on va finir, hop, sur le sol en bas. Du coup on va pouvoir remonter tout en haut et on va continuer la suite de la farm qui va se passer tout en haut. Une fois qu'on est remonté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouvrir toute cette partie-là, toute la partie d'eau avec des blocs de construction, ce qui va créer de l'obscurité ici dans la colonne d'eau, ce qui fait qu'on va avoir enfin des mobs qui vont commencer à spawn. Et voilà. Ensuite, on va venir prendre nos torches en main, on va placer les 4 torches en haut. Tu te places en fait dans un coin comme ça, tu vois, il y a je suis sur un carré. On va faire 3 carrés à chaque fois en diagonale, donc 1, 2, 3, et juste devant ce troisième carré, on va placer la torche. Pareil de l'autre coin, hop, 1, 2, 3, et sur le quatrième, on place la torche. De même ici, 1, 2, 3 et la torche. Et de même ici, 1, 2, 3 et la torche. Ce qui fait que tu as un carré de torche au centre de ta structure, comme ceci, ce qui empêchera les mobs de spawn tout en haut.
Et c'est parti maintenant pour utiliser toutes nos dalles. On a énormément de stacks de dalles et ils vont nous servir maintenant. On va venir se placer sur un côté n'importe lequel. On va placer une dalle et on va la faire s'étendre de 7 de long. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sur cette longueur, on va s'assurer que ça fasse tout le côté de cette ferme. Fait un espèce de rectangle comme ça, on va faire ça de chaque côté, ce qui fait que tu vas avoir une forme exactement comme ça. On a un rectangle de dalle qui part de chaque côté de notre ferme et qui fait 7 de côté, et ensuite tout ça on va le faire se rejoindre sur les bords exactement comme ceci. Hop, hop, hop. En fait à chaque fois t'en rajoutes une, ce qui fait que tu vas voir à la fin ça va rejoindre quasiment le bord comme ça. Voilà, et on va faire ça de chaque côté. Et voilà, on a notre plateforme tout en haut qui fait de l'ombre en fait sur toute notre colonne d'eau, ce qui fait que les mobs vont pouvoir spawn. Et maintenant, on va continuer à monter. On va prendre nos échafaudages, on va aller à peu près au centre de cette structure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des échafaudages pour monter jusqu'à la hauteur 192. On a notre tour d'échafaudage qui monte vers les nuages. Et comme d'habitude, on va appuyer sur F3 et on va commencer à monter. Le but, ça va être de monter jusqu'au bloc 192. C'est parfait, ici, on va se créer une espèce de petite plateforme. Et ce que je te conseille de faire, c'est de faire monter des petits murs tout autour. Parce qu'il y a des fantômes qui vont venir t'attaquer la nuit quand tu vas être AFK. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Hop. Et voilà, je suis maintenant à ma petite plateforme d'AFK, c'est ici qu'on va attendre que tous nos mobs y spawnent, et maintenant on va aller faire la partie dans le Nether. Pour ça on va passer par notre porte du Nether, ce qui va nous créer une porte dans le Nether, voilà comme ceci. On a déjà un drown qui est là, très bien. On va venir placer 6 blocs de construction, ce qui va les obliger à sortir de ce côté là, et c'est ici qu'on va créer notre chambre à tuer les mobs. Alors une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre trapdoor, on va libérer un peu d'espace juste devant le portail, parce que ici on va vouloir que tous nos mobs ils drop. Ensuite, sur un des deux bords du portail, on va placer une trapdoor qu'on va fermer. On va replacer par-dessus un bloc temporaire et un deuxième, un peu la même manip qu'on a fait de l'autre côté du portail. Ici, on va casser celui-là et on va remettre une trapdoor qu'on va venir fermer. Par-dessus cette trapdoor, on va s'accroupir et on va placer une autre trapdoor qu'on va venir ouvrir vers le haut. Ce qui fait que tu dois avoir une structure exactement comme ça. Sur ce bloc, on va venir placer notre deuxième œuf de tortue. Tu l'as compris, une fois que les mobs sont passés par le portail, il faut qu'ils voient ce deuxième œuf de tortue pour avoir envie d'y aller. Et là, on va revenir prendre nos blocs de construction. On va placer deux blocs juste en dessous de ce bloc. Et de chaque côté, on va faire une station de 8 par 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tac, pareil pour sous le portail, deux blocs sur 8. Ici, on va les faire se rejoindre. Hop. Une fois qu'on en est là, on va continuer à creuser un peu en dessous de notre structure, juste là. Il faut qu'on ait environ deux blocs encore en dessous de cette structure, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos trapdoors. On va venir les placer juste là. C'est ici qu'on va venir tuer nos mobs. Que t'aies un bon repère visuel, voilà, on est de ce côté-là du portail, on a placé notre trapdoor juste là. Ensuite, on va venir prendre nos dalles, on va venir reprendre nos blocs temporaires, on va se placer en dessous sur un des côtés, on va mettre nos deux blocs là, on va prendre nos dalles, et là, sur la partie inférieure de ces blocs temporaires, on va venir apposer toutes nos dalles, comme ça. Voilà, ce qui fait qu'en gros, quand on sera là, on pourra taper nos mobs qui sont ici sans qu'ils nous voient. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est retourner en dessous de cette dernière structure. On va la refermer comme ceci pour s'assurer qu'il n'y ait aucun des drops qui tombe ici, qui s'échappe par les côtés. Hop, et voilà. En toute logique, notre ferme, elle devrait être plus ou moins terminée. Il ne nous reste plus qu'à placer notre système de récupération des objets, à savoir les coffres et les entonnoirs. Juste là, on va placer un bloc temporaire. On va placer nos deux coffres juste devant. On va venir casser notre bloc temporaire et tout en dessous, partout là où t'as mis des dalles, il va falloir qu'on ait un entonnoir qui récupère les objets qui vont tomber sur ces dalles. Donc on connecte deux entonnoirs au coffre et ensuite tous les entonnoirs qu'on va placer, on va les connecter à ces entonnoirs, comme ceci. Hop, 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 et pareil pour là. Tac, et voilà. Ça peut te donner une idée un peu vue d'en dessous. Voilà, on a notre portail du Nether qui est ici. Ici, on a des murs qui font 4-5 d'épaisseur de haut, ce qui fait qu'aucun mob ne peut s'en échapper et aucun mob ne peut y rentrer.
Là, on a notre œuf qui est bien protégé, qui fait que ça va attirer tous les drowns par là-dedans. Et ensuite, ici, on va s'assurer de pouvoir avoir assez d'espace pour tuer les mobs. Et les entonnoirs qui vont récupérer tous ces drops, ils vont les amener dans notre coffre. Voilà, maintenant notre ferme, elle est terminée. Il nous reste plus qu'à retourner dans l'overworld, remonter sur notre plateforme AFK là-haut. Et on va attendre à peu près une petite heure pour voir ce que ça va nous donner comme type de drop. Et voilà, ça fait un poil moins d'une heure que j'attends. On va aller voir où ça en est au niveau des drops. Ouh! Ça a l'air rentable, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup beaucoup de bruit. On récupère beaucoup d'XP, c'est dingue. Du coup voilà, on a récupéré beaucoup de stacks de chair putrifiée, ça c'est quelque chose que tu peux échanger avec les villageois et qui va te permettre d'avoir des émeraudes. On a des coquilles de nautiles, on a des lingots de cuivre, il me semble qu'on est censé avoir quelques lingots d'or potentiellement. Et on a un trident, on a eu de la chance d'en avoir un d'ailleurs, c'est très très rare les drops de trident, mais voilà. Du coup si jamais tu veux avoir une ferme pour avoir des tridents infinis, pouvoir avoir tes deux types de tridents, d'ailleurs si tu te demandes aussi comment bien les enchanter, je te laisse cliquer sur cette vidéo, là où j'explique comment faire tous les enchantements dans Minecraft. Et encore une fois, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et se retrouve dans la prochaine vidéo. À toutes!